C'est quoi ce délire? Du coup, je sais pas si j'ai ma bulle. Oh là 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 là. Ça devait être une vidéo vite faite. Bon. Et bonjour mesdames matures, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu comment il fait beau dehors? Vous, je sais pas, mais moi je vais aller en profiter, c'est sûr. La plage m'attend, j'attends qu'il soit à peu près 4h de l'après-midi pour pas cramer trop au soleil. Et après, j'y vais. Vive la Normandie, vive la mer, vive le beau temps. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une chose très importante que souvent on néglige malheureusement. Mais que notre peau ne nous pardonne pas. Cette chose très importante, c'est le démaquillage et le nettoyage de la peau le soir après la journée. Quand j'étais jeune, c'était simple, hein, on avait un lait démaquillant, une lotion et puis basta. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus sophistiquées. On a inventé de nouveaux produits, de nouvelles textures, des textures solides, des textures liquides, des textures huileuses. Vous avez des lotions, des eaux micellaires. Enfin bon, voilà, il y a une foison de produits qui sont tous très bien. Je ne fais aucune discrimination de rien du tout. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est ceux que je connais, ceux que j'utilise, ceux que j'aime bien. Vous trouvez des choses très bien en supermarché. Vous avez des choses magnifiques en parapharmacie. Et puis, vous avez aussi la parfumerie. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, pour toutes les textures de peau. Est-ce que ça se dit texture de peau? Je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Celles qui sont grasses, sèches, mixtes, plus ou moins fines, plus ou moins fragiles, plus ou moins réactives, avec des boutons, des rougeurs, des choses comme ça, vous voyez. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié un des produits dont je voulais vous parler, donc je vais aller le chercher et je reviens. Voilà, je suis revenue avec ce flacon dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, j'ai tout devant moi. Et je pense que ce coup-ci, je n'ai rien oublié. Ah, oui, bon, tant pis. J'ai un produit qui est tombé dans un trou qui est au milieu de ma table là et que je ne suis pas allée récupérer, mais ça fait rien. Donc, j'ai soufflé. Je disais. Pourquoi est-ce que c'est important de bien se démaquiller le soir? Ben d'abord pour enlever le maquillage. Si on garde son maquillage toute la journée, toute la nuit, on fait du mal à sa peau, on l'empêche de respirer, on l'empêche de se sentir propre et belle. Vous savez que c'est la nuit que tout se régénère dans l'organisme, donc c'est le moment d'en profiter pour que la peau, elle aussi, qui est un organe, puisse se régénérer. Donc déjà, on enlève le maquillage. Mais quelquefois, c'est pas suffisant de se démaquiller, il faut aussi se nettoyer la peau. Pourquoi? Ben tout simplement parce que l'air est pollué. Je ne vous apprends rien, hélas. Et donc, il y a des tas de saloperies qui traînent et qui s'accrochent à votre visage, qui s'incrustent, des impuretés, de la saleté, toutes sortes de choses que je ne veux même pas évoquer ici, mais qui sont bel et bien dans l'atmosphère et qui agressent votre peau. Et puis, il y a aussi l'agression des UV, de la chaleur ou du froid l'hiver. Voilà, toutes ces choses qui font que votre peau, qui est en première ligne, c'est elle qui vous protège, il ne faut pas l'oublier. Et donc, comme elle a la gentillesse de nous protéger de tout un tas de choses qui nous agressent, eh bien, la moindre des courtoisies vis-à-vis d'elle, c'est de la soigner, d'en prendre soin et de bien s'occuper d'elle particulièrement le soir après une journée dehors. On va commencer par le démaquillant. Alors par exemple, j'ai de chez Dermalogica, je vous ai dit une bêtise l'autre jour, je vous ai dit que c'était une marque bio, en fait pas du tout. Elle travaille à base de plantes, mais c'est pas bio. Bon voilà, je rectifie ma bêtise. Donc Dermalogica Pre-Cleanse. Pre-Cleanse en fait ça veut dire démaquillant, je suppose, hein, pré-lavage, comme dans les machines à laver. Alors c'est une huile. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, c'est une huile, voilà, qui est très agréable et qui ne pique pas les yeux. Ce qui est important parce que il y en a quelques-unes, si vous frottez un petit peu trop vos yeux avec, ça peut leur faire mal. Donc celle-là, elle est vraiment efficace. Et voilà, et comme toujours avec Dermalogica, bah, ça sent les plantes, ça sent je sais pas quoi, mais c'est très frais en tout cas, c'est très agréable. Donc ça c'est une huile démaquillante, donc vous en avez une chez Dermalogica que je vous conseille parce que c'est toujours des produits qui sont faits avec les dernières technologies et qui pensent aux peaux fragiles, qui pensent aussi aux peaux matures parce que je vois que là il y a de la vitamine E. En
entre autres, deep cleansing, ideal for even the most oily skin conditions. Donc c'est bon pour toutes les peaux, y compris les plus grasses. Si vous avez la peau grasse, vous dites oh non, une huile, c'est pas pour moi. Eh bien, celle-là, vous pouvez y aller, elle est faite aussi pour vous, elle est prévue pour vous. Donc, très bon produit, Dermalogica, toute confiance. J'en ai un autre que j'aime bien, c'est chez Herborion. Black Cleansing Oil, huile démaquillante, purifiante, au charbon. Donc, c'est ça qui est bien avec elle, c'est qu'elle vous démaquille, et comme elle a du charbon à l'intérieur, eh bien, elle désincruste vraiment les impuretés, la saleté, les résidus de maquillage, le mascara qui s'accroche à vos cils, etc. Celle-là sur les yeux, attention, moi je trouve qu'elle pique un petit peu plus que l'autre, qui pique pas. Celle-là, faut faire attention. Il y a des fois ça passe bien, puis il y a d'autres fois ça passe moins bien. Allez savoir pourquoi. Il en existe aussi sous forme solide. Donc là, j'en ai pas. C'est les prochaines choses que je vais essayer. Herborion en fait un. Et Clinique aussi. Clinique, ça s'appelle Take the Day Off. Et c'est un démaquillant solide en crème, une huile crémeuse, je ne sais pas exactement. C'est Hélène dans mon blog de filles qui en parle dans une de ses dernières vidéos. Je ne sais plus si c'est une vidéo favori ou produit terminé. Enfin, en tout cas, elle ne jure plus que par ça. Elle qui était à fond huile de démaquillage. Elle adore ça, les démaquillants solides, et du coup elle m'a donné envie d'essayer. Donc je sais qu'il y en a deux qui sont très bien, qu'elle nous recommande, qui sont celui de Clinique et celui d'Herborion. Donc ça, c'est la phase démaquillage. Après, pourquoi on parle de double nettoyage? Parce que le démaquillage, ça enlève le maquillage, comme son nom l'indique, mais ça nettoie pas forcément la peau. Donc c'est là que mon gel Reine intervient. Vous le passez après vous être démaquillé, c'est pas agressif, ça finit de bien nettoyer la peau et après c'est terminé. Vous avez d'autres produits que moi j'affectionne particulièrement qui sont des espèces de mousse, crème douce, voilà. Ça c'est sous forme de crème aussi. Donc ce sont des produits pour finir de bien nettoyer la peau. À la limite, si vous ne voulez pas vous maquiller parce que c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, blablabla, le soir, avant de vous coucher, vous n'avez pas besoin de vous démaquiller, mais je vous invite quand même à faire un bon nettoyage de peau parce que, encore une fois, ça ne se voit pas, c'est dans l'air. Votre peau est agressée, votre peau est salie. Et donc c'est pas parce qu'on s'est pas maquillé qu'il faut pas faire attention à sa peau le soir, il faut pas la nettoyer profondément. Donc moi je vous recommande ces trois produits là parce que encore une fois c'est ceux que j'utilise et que j'aime beaucoup et qui fonctionnent sur moi. Alors vous avez de chez Décléor Aroma Cleanse Crème Mousse Hydra Éclat 3 en 1. Alors 3 en 1 Varum, je ne sais pas. 3 en 1, tout type de peau, all skin types, et c'est à l'essence de Neroli. Je vous l'approche, est-ce qu'on va avoir un petit focus? Coucou! Coucou! Focus! Yes, merci! Voilà, ça se présente sous forme... Alors, c'est peut-être pas un modèle qu'on trouve dans le commerce sous cette forme-là. Moi, je l'ai eu dans une box... Je vous parlerai des box aussi un jour. Moi, je suis abonnée à deux box qui sont Birchbox et Look Fantastic. Donc, je pense que celui-là, je l'ai reçu dans une box. Et du coup, c'est un petit flacon de 50 ml. Je ne suis pas sûre que ce soit le flacon qui est commercialisé. C'est peut-être juste un format spécial pour les box. Je ne sais pas. J'en ai un autre de l'Institut Estéderm que j'ai aussi reçu dans une box qui s'appelle l'Osmoclim, crème douce désincrustante. Et là, on a 75 ml. Alors, peut-être que c'est les formats qu'on trouve en magasin, en fait. Hein, je ne sais pas. Institut Estéderm, excellente marque pour les peaux matures. Et donc ça aussi, c'est une crème nettoyante et désincrustante, c'est-à-dire que ça va vraiment, vraiment en profondeur dans les pores, partout où il faut. Ils disent appliquer par touche pour une peau propre et sèche. Non. Appliquer par touche sur une peau propre et sèche, masser jusqu'à ce que la crème épaississe et ensuite on rince. Voilà.
J'en avais un troisième d'Estée aux Lauder, mais c'est celui qui est parti dans le trou de ma table, donc pour l'instant je ne l'ai pas. Les trois sont superbes. Ils ont des vertus différentes. Bon, celui-là, il est plus hydratant. Celui-là, il est plus exfoliant, désincrustant. Celui qui est dans le trou de ma table de chez Estée Lauder, il agit comme un masque. Donc voilà. Ce que je peux vous dire pour utiliser les trois, c'est qu'ils sont très efficaces, très agréables. Alors, c'est pas compliqué du tout. Vous en prenez un petit peu sur la main, vous vous massez le visage. Moi, je fais comme ça, pouf, 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 bien sous le visage, le cou, le décolleté, toujours. Je fais ça généralement sous la douche, comme ça, hop, je me rince directement et l'affaire est faite, on n'en parle plus. Et donc, vous avez également dans cette même gamme ce produit Dermalogica. Alors, figurez-vous que tout le texte là est effacé, donc je ne peux pas trop vous lire ce qu'il y a dessus. C'est un nettoyant en profondeur avec de l'argile qui purifie les peaux grasses. Donc, ça, je m'en sers parce que j'ai la peau mixte, elle est un peu grasse ici. Mais ça, donc, c'est plus pour les peaux grasses parce que vous avez un petit peu d'argile et ça va assécher la peau grasse. Toujours de Dermalogica, c'est une. Alors, ils disent Daily Microfoliant, donc on peut s'en servir tous les jours si on veut. Bon, je suis pas sûre, mais c'est vous qui voyez. Vous voyez, c'est une espèce de poudre. Pouf, c'est un peu flou mon affaire. Voilà, c'est sous forme de poudre très fine. Vous en mettez donc un tout petit peu sur votre main, vous humidifiez très légèrement et vous massez. Alors là, vous y allez doucement parce que ça exfolie, hein, donc ça désincruste. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on avait une flore sur la peau, comme on a une flore dans les intestins par exemple. Et que si on fait des choses trop agressives pour se laver, se nettoyer, se démaquiller, etc., bah, cette flore, on l'abîme et elle ne remplit plus son rôle de protection. Donc moi, c'est pour ça que sur tout ce qui est exfoliant, je me dis une fois par semaine, ça peut être utile. C'est vrai qu'après, on a la peau douce, elle est bien, comment dirais-je, désincrustée, il n'y a plus d'imperfections, il n'y a plus de points noirs et de choses comme ça. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment à faire tous les jours, encore une fois, à cause de cette flore qui nous protège. Et puis sinon, j'ai aussi de chez Estée Lauder, alors ça, c'est sous forme de lotion. C'est une lotion tonique hydratante multi-action et qui exfolie aussi en douceur. Alors là, vous ne trouvez aucun. Vous savez, dans les exfoliants, vous avez des petites billes. Vous sentez que c'est en train de vous gratter la peau. Ça, c'est un exfoliant. Vous ne sentez rien. Il n'y en a pas beaucoup des lotions exfoliantes. C'est pour ça que je vous montre celle-là, parce qu'à ma connaissance, il y a juste une autre marque qui en fait, et puis c'est tout. Donc moi, j'ai voulu essayer celle de chez Estée Lauder, parce que je sais que ces produits me réussissent bien, que je peux leur faire confiance. Et voilà, donc ça, c'est plutôt appliqué sur un coton que vous passez sur le visage. Et là, pour le coup, vous sentez rien. Autant là, vous sentez que ça gratouille un petit peu. Autant ça, c'est comme si vous mettiez une lotion. Mais en même temps, c'est une lotion qui va bien aller chercher, encore une fois, les résidus de pollution, les résidus de maquillage, qui va aller en profondeur nettoyer votre peau. Voilà, enfin, un dernier type de produit que j'aime bien. Parce que là, bon, c'est un peu contraignant le double nettoyage. Hein. Tout le monde dit, toutes les influenceuses, tout le monde dit double nettoyage ou rien, il ne faut pas hésiter parce que la peau, c'est très important. Ok, moi je veux bien. Mais des fois, le soir, vous êtes fatigué, vous en avez plein les bottes, vous avez un peu la flemme. Et donc, faire tout ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a une autre solution et qui est aussi très très efficace, qui sont les eaux ou solutions micellaires. Alors, je vous présente celle-là. C'est la créaline H2O de chez Bioderma. Alors ça, c'est le fin du fin, le nectar du nectar, la crème de la crème, la lotion de la lotion, celle que toutes les make-up artistes recommandent. Elle est étudiée spécialement pour les peaux sensibles et les peaux très sèches. Elle nettoie, elle apaise, elle hydrate, elle est sans rinçage. C'est d'un bon rapport qualité-prix, ça se trouve en parapharmacie, ça coûte pas les yeux de la tête. Les anglo-saxonnes raffolent de nos produits de parapharmacie qu'elles appellent French Pharmacy. Donc souvent, vous verrez les youtubeuses, si vous les suivez sur leur chaîne,
les Anglaises, les Américaines, quand elles viennent à Paris, elles font une razzia dans les parapharmacies parce que elles veulent absolument ces produits pour les ramener chez elles. Donc, Liz Aldridge est fan de ça, elle en achète aussi régulièrement quand elle vient à Paris, et sa technique à elle pour se démaquiller, c'est simple, c'est d'en appliquer sur un coton, de se démaquiller doucement, et de répéter jusqu'à ce que le dernier coton soit absolument clean, qu'il n'y ait plus aucune trace de maquillage ni de saleté. C'est un petit peu long, mais apparemment c'est très efficace, parce que si vous la regardez sur ses vidéos, elle a quand même une très jolie peau. Donc, Créaline, vous pouvez y aller La Roche-Posay, au micellaire, ultra. Donc ils ont le même en gel, moi j'aime moins en gel, hein. Je préfère en eau micellaire. Ça c'est pareil, ça doit être un flacon que j'ai eu dans une box parce qu'il me paraît un peu petit par rapport au Bioderma. Donc ça doit pouvoir se trouver en plus grande quantité. Ici on a 100 ml. Elle est un petit peu bleue, elle est très douce, très agréable, très efficace. Et pour les peaux sensibles, donc pas de problème. Et puis une troisième que j'aime beaucoup, que j'aime bien utiliser aussi, c'est toujours pour les peaux sensibles, hein, parce que moi j'ai des soucis d'eczéma, donc je privilégie maintenant les produits peaux sensibles. Et donc c'est une eau micellaire de chez Nuxe, et ce pourquoi je l'aime bien, c'est qu'elle est aux pétales de rose. Et elle sent bon la rose. Voilà, donc on est d'accord, on ne se couche jamais sans s'être démaquiller ni nettoyer la peau. On privilégie le double maquillage si on peut, si on est courageuse et si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on prend de l'eau micellaire ou un gel doux nettoyant. On exfolie mais pas trop. Et puis voilà. Et puis après, pouf, les sérums, les crèmes, tout le toutim, on en reparlera. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je voulais vous dire une dernière chose, les lingettes, ça dépanne, c'est pratique, mais encore une fois, les professionnels disent attention les lingettes, vous faites pas ça tous les soirs. Je voulais quand même vous montrer celles-là parce qu'elles sont de chez L'Oréal et que c'est une gamme spéciale pour les peaux matures. Voilà, alors pourquoi peau mature ? Avec le temps, la peau se fragilise et récupère moins bien durant la nuit. Au réveil, elle paraît marquée, comme froissée. Oui, merci. Fragilisée, elle est de moins bien protégée. Les lingettes trop sèches peuvent l'agresser, vous voyez. Innovation, laboratoire L'Oréal, qui crée des lingettes nettoyantes, enrichies en procalcium et en huile d'amande douce pour défroisser, défatiguer instantanément les peaux matures et prévenir du dessèchement de la peau. Bon, à mon avis, c'est bien. Mais le dessèchement de la peau, c'est pas avec les lingettes que vous le prévenez, c'est avec des bons sérums, des bons boosters et des bonnes crèmes. Enfin, ça part d'un bon sentiment. Ils vont pas non plus écrire au dos du paquet que ce qu'ils font, c'est de la merde et que ça vaut pas un clou. Alors, bon, on a envie d'y croire, on y croit, on se dit après tout, pourquoi pas, c'est sûrement très bien, mais on n'en abuse pas. Voilà mes chères dames matures, donc j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, n'hésitez pas à parler de ma chaîne tout autour de vous, ça me fera plaisir et ça m'aidera. Si vous avez des recommandations, des observations, des propositions à me faire, n'hésitez pas, je suis à votre écoute et je vous dis à la prochaine. Allez, profitez du beau temps, vous allez voir, ça va être bien.